appointer comme commissaire adjoint. En dépit de ses multiples obligations familiales et professionnelles, Franz si grandement, si intelligemment dans la mise en place de RASGAM, on ne pourrait pas évaluer cette implication-là. Franz, on est fiers de vous. Bon. Ok, Franz, je voulais vous mettre debout. Bon, maintenant, moi, je ne peux pas parler longuement de Franz, mais il y a du monde qui connaît Franz mieux que moi. Je vais céder la place à Boutia Corville. Elle va nous en dire un peu plus de Franz Corville. Boutia Corville, c'est elle qui est la responsable de notre programme d'aide aux devoirs. Je vous demande d'applaudir Madame Boutia Corville. Est né au Gonaïve. Il est le fils cadet d'une famille de 5 enfants. Fanfan est le fils de François Corville, ancien chef du scout, commissaire au Gonaïve, et de son épouse, Virginia Bonhomme, enseignante. Franz a commencé à fréquenter les brigadiers, un mouvement établi à l'église de l'époque. Cette église s'appelle l'église Bethel des Gonaïves. Plus tard, il commence à suivre son père. Il participait aux réunions, mais son père ne voulait pas qu'il était vraiment le scoutiste, vu son caractère grognon un petit peu. Alors, il allait pour voir comment ça allait, pour voir s'il pouvait suivre les règlements et la loi des scouts. Il finit par devenir louveteau à la meute Albert Schweizer, où son père était chef de scout de Trouche du Bois. Rentré à Port-au-Prince dans les années 82-83, il commence à fréquenter la troupe Sadatipoli. Mais grognon, rebelle et entêté, qui s'est fait mis dehors. Plus tard, le chef du groupe était destiné à les conquérir parce qu'on voulait sauver Franz à respecter les lois. Il est allé chercher Franz chez lui. Finalement, avec l'aide de son père, ils sont arrivés à le convaincre de retourner au sein du groupe. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à changer et a accepté de faire partie de la famille de Madame Powell. Il a changé complètement. Son leadership charismatique lui a permis de devenir CP, ça veut dire langage scout, second patrouilleur, et SP. Non, je me suis trompée, hein? CP, c'est second, SP, second patrouilleur, CP, chef patrouille. Ça fait longtemps. Il menait bien la patrouille des mal finis. Il allait toujours plus gros, comme disent le slogan. Il devient par la suite assistant chef de troupe, routier et commissaire de district Centre 2. Ensuite, il est devenu commissaire national de développement communautaire et membre du Conseil national des scouts d'Haïti. Marié et père de deux merveilleuses filles, il ne lâche pas. L'esprit de Benham Powell l'a dit. Partout où il passe, il laisse sa marque. Toujours prêt à servir. Panne d'auto, Franz, j'arrive. Ok, je suis conseillère à la neige. Franz, j'arrive. Il est toujours là pour venir en aide à tout le monde. C'est Franz qu'on vit. Arrivé à Montréal en 2001, il commence à faire des démarches pour implanter un groupe scout haïtien à Montréal. Malheureusement, le peu de contact qu'il a et les moyens ne lui ont pas permis de réaliser son projet. Mais il ne lâche pas. Il continue à persévérer et arriver. Après quelques années, Ménie Déborah, c'est un groupe de guides d'Haïti, et Sadatipoli, un groupe de scouts d'Haïti, on s'est réunis fréquemment pour se rencontrer, donner des blagues, partager un petit peu. Il retrouve sa place. Il est toujours là. C'est le premier à venir de ces moments de partage, de plaisir. Il est toujours là. Finalement, au mois de janvier 2014, avec l'arrivée des anciens scouts,
Dr. Scoop de Port-au-Prince, il devient vice-président de RASCA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rajouter à son parcours le titre de membre de l'équipe internationale des Scoops d'Haïti au Canada. Au nom de RASGAM, nous voulons dire un gros merci à Franz Corville d'avoir accepté ce rôle. Et nous sommes de tout cœur avec toi. Toutes tes félicitations, Franz. Et nous savons déjà que tu assumeras avec fierté et détermination ton nouveau rôle. Yes. Nous disons merci à Bidia pour ce beau discours. Elle nous a fait montre des différentes qualités que Franz a. Monsieur le dépanneur, monsieur qui sait de pas mal de circonstances et venir appuyer aux autres. Bon, maintenant, je fais appel à Claude Corbeil. C'est lui qui va remplacer Madame Nicole Garland pour le renouvellement et pour la passation pour la remise du foulard et des insignes à Franz Corbeil. Merci. Vous savez que la partie qui va suivre, c'est la totale improvisation. Mais on dit qu'un scout est toujours prêt. On va voir jusqu'à quel point on est prêt. Alors, on vient de me remettre une lettre. J'ai choisi l'enveloppe. Voilà, l'enveloppe. Je voudrais dire d'abord un mot. Je lisais tantôt sur le magnifique drapeau. L'union fait la force. C'est beaucoup l'idée du fondateur du scoutisme, Baden-Powell, qui disait, avec une fraternité de jeunes dans le monde entier, on ne peut pas autrement qu'obtenir la paix dans le monde. Et puis aujourd'hui, il y a 35 millions de scouts dans le monde. Et puis, bienvenue, puis je suis très, très content que vous acceptiez de prendre un rôle comme ça. Pour moi, CP, maintenant, ça veut dire Corville prêt. Je voulais parler aussi dans le scoutisme. Il y a deux choses qui sont des thèmes principaux, c'est l'engagement et la loi. La loi, c'est à quoi on croit, qu'est-ce que ça nous prend pour faire partie d'un monde meilleur et de construire un monde meilleur. Et puis l'engagement, c'est s'engager à suivre ce modèle-là. J'imagine, je suis sûr que j'aimerais ça vous entendre dans vos mots, dire quelle est votre forme d'engagement pour ça. Je suis sûr que vous vous engagez et vous croyez beaucoup, vous avez confiance dans la jeunesse. J'ai entendu il y a quelques années le commissaire des scouts d'Haïti dire qu'un groupe scout n'est pas relié à sa communauté, n'a pas sa raison d'être. Et je pense que c'est exactement ce que vous allez apporter ici, c'est-à-dire un groupe scout qui est vraiment en communion avec sa communauté. Maintenant, j'ouvre l'enveloppe. Il y a du papier là-dedans. D'accord, j'ai plus de connaissances. D'abord, on me demande on va remettre un foulard honorifique à M. Franz Benjamin. Oui? Ah. Plus sérieuse, beaucoup plus officielle. Ne prenez pas de photos. Alors, pour tous les services que vous avez rendus, et rendre possible ce groupe. Les scouts, on se salue d'une gauche. Vous savez pourquoi? Non. Parce que quand on salue d'une gauche, c'est que c'est les armées anciennes. On avait le bouclier, de la gauche. Alors quand on se salue de la gauche, c'est qu'on laisse tomber sa défense. Ah. On est tout frère. Ouais. Merci. Ouais. Merci. Voilà.
sait jamais être déjà là, on va lui passer le micro pour une brève allocution aussi. Monsieur Corbeil. Bonsoir tout le monde. Écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous. J'ai pas eu ce bonheur d'être scout. J'ai bien dit bonheur parce que je conçois le mouvement, le scoutisme, le mouvement des scouts comme un mouvement civique, c'est un mouvement citoyen. Et je connais plusieurs jeunes qui sont devenus adultes, qui ont été membres des scouts. Et on voit la différence entre les jeunes qui ont été scouts et ceux qui ne l'ont pas été. Et pour moi, donc, qui suis aujourd'hui conseiller municipal, où les questions importantes relatives à la citoyenneté, relatives à la participation des jeunes, relatives aussi à l'avenir des jeunes, ce sont les questions essentielles, les questions importantes. Vous comprenez que pour moi, je suis très honoré de recevoir ce foulard honorifique et aussi de dire, de vous réitérer, non seulement mon amitié, mais aussi mon support dans les limites de mes capacités, dans le cadre de mes fonctions aussi. Je crois que le chef à venir, donc il va être intronisé chef bientôt, donc c'est le chef à venir, donc M. Corville. Donc ce que je peux vous dire tout de suite et vous le dire publiquement, c'est que pour moi qui suis conseiller municipal dans l'arrondissement de Villiers-Saint-Michel par l'extension et président du conseil municipal, je vous transmets au nom de l'ensemble de mes collègues, des élus municipaux, nos remerciements et aussi nos amitiés. Et sachez aussi que le travail que l'ensemble des scouts font à Montréal, M. Corbeil, c'est un travail qui est apprécié, c'est un travail qui est respecté. D'ailleurs, dans le cadre, en 2017, ce sera la commémoration des 375e anniversaire de Montréal. Et c'était avant-hier soir, j'ai été reçu membre du cercle des honoraires et du régiment de Maisonneuve. Et lors de mon allocution, j'ai abordé justement cette question-là, que je souhaite, je fais le vœu, que dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, que ce soit le régiment de Maisonneuve, les cadets et les scouts, c'est ce que j'avais dit, que puissent avoir une participation active dans cette commémoration, puisque la présence des scouts à Montréal, la présence des cadets, c'est une présence essentielle pour nos jeunes montréalais et montréalais. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je garderai, je porterai fièrement mon foulard. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Donc on dit bienvenue à M. Fon Benjamin dans la grande famille scout. Et ce soir, on a remarqué que c'est une soirée d'investiture, mais aussi c'est une soirée de surprise aussi pour certains. Après la remise du foulard à M. Franz Benjamin, M. Claude Corbeil va continuer pour la remise du foulard à M. Franz Corbeil. Merci. Alors, d'abord, j'ai deux lettres à vous lire. Si vous voulez vous présenter. Ces deux lettres qui sont destinées à vous. Alors, M. Franz Corville, Montréal, Québec, Canada, ça nous provient de l'Association nationale des scouts d'Haïti. Chers frères scouts, sur la demande du commissaire international, le Dr Brunel Étienne, et dans le respect des statuts et des règlements de l'Association nationale des scouts d'Haïti, je t'informe de la nomination en tant que membre de l'équipe internationale des scouts d'Haïti. Ton entrée en fonction est effective immédiatement. La présente mission prendra fin le 31 décembre 2004, suite aux prochaines élections du comité exécutif et dans la période de transition. Alors, il y a du blabla administratif, mais tout en le félicitant pour cette nouvelle responsabilité, nous renouvelons notre confiance et notre loyauté et ton esprit de sacrifice. Nous comptons sur ton entière collaboration pour assister le commissaire international et faire avancer le scoutisme en Haïti et au-delà de nos frontières. Fraternelle salutation scout. Et la deuxième, de Brunel Étienne. Suite à ta nomination au sein de l'équipe internationale des scouts d'Haïti, je te prie de bien vouloir trouver ci-joint le descriptif de ton poste. Alors, ça rend la chose officielle, membre de l'équipe internationale chargée des relations avec le Canada.
voilà, le job est affiché ici. maintenant, je vais juste un petit mot, parce que tantôt, je parlais de l'engagement. C'est ce que vous allez faire, vous allez prononcer un engagement. Cette fois-ci, c'est un engagement au-delà d'une promesse scout, parce que c'est un engagement à promouvoir, à supporter tous les efforts des jeunes d'une communauté. Je crois que c'est parce que vous y croyez beaucoup, vous croyez en la force du scoutisme, vous croyez en la force d'une fraternité qui peut effectivement changer le monde, le rendre meilleur. Alors, je vais vous laisser vous exprimer là-dessus. Bonjour. Malheureusement, je ne suis pas un homme de discours. Je suis quelqu'un de pratique. Déjà, comme scout, je me suis, disons, engagé depuis petit, mais un peu rebelle. Mais avec l'âge, je deviens assez mûr. Dès mon arrivée ici en 2001, j'ai voulu monter un groupe scout, mais malheureusement, parce qu'on a frappé à certaines portes, ils nous ont refusé l'accès parce qu'on ne savait pas quoi. Et grâce à Chanel, on a retrouvé encore ce qu'on appelle l'engouement pour remonter encore. Parce que c'est notre rêve, c'est d'installer un groupe scout ici. Un groupe scout haïtien avec les méthodes haïtiennes, mais par contre sous l'égide de l'association du Canada. Notre engagement, c'est un engagement communautaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scout sans participation active dans la communauté. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du scout pour faire du scoutisme, on va faire du scout pratique et amener les jeunes ou les Haïtiens à mettre ensemble leurs forces, leurs efforts, afin que l'image qu'on donne des Haïtiens, ou l'image aussi que, il y a beaucoup de jeunes ici qui ne connaissent pas le scoutisme. Ici, on va travailler à ce que chaque jeune, chaque personne puisse connaître, puisse jouir de ce que moi, j'ai vécu comme scout. Et jusqu'à présent, ce que je suis, c'est grâce au scout. Donc, je ne vais pas trop parler. C'est merci. Je remercie les membres de l'ANH et aussi Lasgam aussi qui m'a fait confiance pour que je puisse représenter. Et on va travailler ensemble avec l'association et pour l'association des scouts du Canada pour qu'on instaure vraiment un partenariat scout d'Haïti et scout du Canada. C'est le but ultime qu'on a. Merci beaucoup. La fonction officielle. Thank you.
va chanter d'abord. Mon anglais. Devant tout, je m'engage sur mon honneur et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de but en but. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je jure de me suivre en fier chrétien et tout entier. Της καρδιάς μου γη χαμόγελα.